Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. L'Esprit Saint touche notre cœur, l'Esprit Saint vient à notre rencontre. La lecture des Actes des apôtres nous fait penser à l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres et sur l'Église naissante. La fête de notre diocèse Belfort-Montbéliard, le 25 janvier, est placée sous au patronage de Saint Paul apôtre en sa conversion. Saint Paul a été baptisé par Ananie après que Jésus lui soit apparu sur le chemin de Damas. Ses yeux s'ouvrent alors par l'action de l'Esprit Saint, Saint Paul devient l'apôtre des nations. Cet esprit, nous l'avons reçu le jour de notre baptême. Vous êtes temple de l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul prêchait parmi les Juifs et beaucoup se convertissaient en l'écoutant, car l'Esprit Saint était à l'œuvre en lui. Saint Paul relate l'expérience mystique de sa rencontre avec le Christ ressuscité. Cela change toute sa vie. Il considérait que la loi de Moïse était au centre de sa vie. Mais après sa rencontre avec Jésus, c'est Jésus qui devient le centre de sa vie. Saint Paul fonde des communautés et il les encourage par ses lettres à rester fidèles à son enseignement. Et nous lisons dans la première lecture, Saint Paul nous dit « Jésus est le sauveur du monde et la lumière des nations. » Jésus est le sauveur du monde et pas seulement de seul peuple élu. Ce qui nous surprend ici, alors que le Juif était rempli de jalousie en entendant cela, les disciples, au contraire, étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint, malgré ce temps de détresse et de persécution. La lecture de ce jour nous montre que Dieu peut accorder la joie à ses enfants, même dans les circonstances les plus difficiles. Je voudrais conclure cette méditation avec Jean chapitre 16, 22. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, et je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous retire votre joie. Et l'Esprit Saint vient à votre rencontre. L'Esprit Saint frappe à votre cœur aujourd'hui. Viens, Esprit. Viens, sainteté. Amen.